votre petit duo au lieu de travailler le nouveau morceau, vous ne serez pas prêt pour le concert. Moi, je la sais la nouvelle chanson de la vieille dame. Tu dis ça, mais tu fais encore des fausses notes. Eh ben, on va voir. Un, deux. Oh ben, avec un peu de papier collant, je vais la réparer. Tiens, regarde. Oui, mais si je serre les cordes, tu vois, ça ne tient pas du tout. Oh. Il est complètement cassé. Mais quel idiot! Je n'ai plus de violon maintenant. Eh ben, allons trouver Babar. Il saura le réparer, ton violon, lui. Oh, vraiment, je ne sais pas ce que vous avez, quelquefois. Je vais recoller le violon avec une colle spéciale, ça ne bougera pas. Mais il faudra attendre que la colle soit bien sèche. Tiens, voilà ton violon, mon petit Zéphyr. N'y touche pas avant ce soir. Merci, Babar. Tu devrais aller voir la vieille dame en attendant. Elle est en train de faire répéter le chant aux enfants. Zéphyr, tenant avec précaution son violon, s'en va chez la vieille dame. Mon violon est cassé, c'est-à-dire Babar l'a recoulé, mais je ne peux pas encore jouer. Eh bien, alors chante avec nous. Il regarde le piano ouvert. C'est beau, toutes ces cordes et les marteaux qui frappent en courant. Zéphyr avance la main. Oh, Zéphyr, je ne trouve pas ça drôle. Tu pourrais au moins attendre que j'ai fini de jouer pour faire ça. Si tu ne veux pas chanter, va te promener. Non, non, je vais rester tranquille. On est vilain, Zéphyr. Oh zut, j'ai cassé une note. C'est la faute de Zéphyr. Ah non, c'est pas. Je ne sais pas, mais c'est très ennuyeux. Il faut que j'appelle l'accordeur.